Bonjour, bienvenue dans l'Imusique Mag, l'émission des musiques en région qui vous est proposée par l'Imusique Box. Bonjour dans la rosie, la sapin, plantu chado, lui noyou de la froda, la savana. Pour le focus aujourd'hui, on va recevoir Poison Fang. On est très content de les recevoir. Pour commencer, pour se mettre dans l'ambiance, on va s'écouter un premier titre que je voulais dédicacer à Henri. Oui, Henri, à qui on pense très oui. fort. Qui ne peut Henri, pas... on pense à toi, on Absolument. T'attend, on revient vite. Et c'est pour toi, c'est Minute Minotaur de Poison Fang. You hold you and the world control of the population. It's lost control of the situation. You've sold all your weapon, you get nothing to fight. On the clock on the wall, it's 3 to midnight. You've got time. Take your time. Won't take forever. Take your time. Take your time. Won't take forever. It's 2 to midnight, you're falling on the shade. You're dealing with the dead, but it's no safe trade. You're like an empty creature in some empty walls, waiting for someone to kick your ass off this road. You have something and you're out for them. You're lost and locked in and you've got no plan. Time is a maze for all of us, and the minutes on the wall, there's just one left. You don't time. À 3 avec Xav et puis Damien en 2003, donc avant de vite s'apercevoir que ça serait pas suffisant. Ouais. Et donc Julien est arrivé en 2007, ouais. D'accord. On pourra ajouter une deuxième guitare. Et donc tous les quatre, vous avez des influences en commun, différentes? Je crois pas. Pas du tout. Donc comment ça se passe? Bah, je sais pas, au début, d'ailleurs, je sais pas pourquoi au début on a voulu faire du punk. Je sais pas pourquoi on a voulu faire du punk au début. De toute façon, je crois que on a tenté de faire du punk et au bout de 3 morceaux, on n'a plus fait de punk, je pense. En fait, ça a été rapidement plié. Ouais. En fait, on fait du rock, quoi. D'accord. Du rock, ben je vois, moi, j'ai regardé un peu votre Facebook et puis je vois que vous décrivez en mettant Poison Fang et punk par liberté et rock par essence. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est une belle formule. Le problème du punk en général, c'est que je pense que personne n'a jamais pu foutre une définition sur ce truc-là, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que le punk? Donc au début on voulait faire du punk, mais parce que voilà, c'était cool, il y avait trois accords, ça durait 2 minutes 50. Au bout de 3 morceaux, finalement on avait 5 accords et puis on durait 5 minutes, donc on se dit ça sera plus du punk, quoi. Très
Très bien. Donc, mais punk, l'avantage, c'est qu'on fait ce qu'on veut dans le punk. Donc, finalement, on continue de dire qu'on est un peu punk quand même. Un petit peu punk quand même. Minute Minotaure, c'est pourquoi ? C'est pour toi. Alors, on va pas commencer à disserter sur le sens des paroles. Parce que moi, j'ai des questions sur le sens des paroles. Ah, merde, on va pas s'en sortir. Moi, ça m'intrigue. Ah, bah, là, c'est light, hein, présentez-vous, tout ça. Mais ça, ça sera plus raide après. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. Et du coup, Xavier parlait de groupe de métal. Il y a une influence un peu métal quand même sur certains morceaux aussi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que bon, Xavier est quand même un peu un métal maniaque, quoi. Ouais, puis Tout le monde le sait sur Limoges. Donc, si tu veux, c'est un peu difficile de faire jouer autre chose. Donc, c'est, alors, nous, ensuite, ils balancent des rythmiques de métal. Et ben nous, ensuite, on se pose dessus, mais avec des choses qui ne sont pas forcément métal. Quoi. À part Julien, qui est un guitariste un peu solo, métalleux, ouais, quand même. Voilà, qui est très influencé métal. On voit des solos métal quand même sympathiques. Et voilà, mais moi, pas du tout. Donc, je fais ce que je peux là-dessus. Et Damien aussi, je pense. Et puis voilà, puis, au bout du compte, ça donne nous. Quoi. Ouais, et vous, ça donne, si j'ai bien lu, le goût des mélodies taquineuses, souvent jouées pied au plancher. C'est vrai qu'on a du mal à. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à ralentir un peu. Non, on n'arrive jamais à composer des morceaux qui vont lentement ou plus doucement. Donc, c'est toujours à 200, 220 BPM. Et donc, c'est toujours à fond, finalement. Alors, on essaie d'apporter quand même des mélodies, quand même, un minimum, ouais. Ah oui, ça c'est le côté punk. Absolument, oui, c'est vrai que vous êtes un groupe très mélodique pour un groupe deep punk. On écoute un deuxième titre pour se rendre compte de la chose, c'est La Espuma del Diablo. Vous êtes toujours dans l'Imusic Mag sur Bob FM 89 FM avec Poison Fang. Poison Fang, donc on vient d'entendre un deuxième titre qui va faire partie d'un nouvel album.
semble-t-il, qui est en préparation depuis quelques temps maintenant. Oui, ça, c'est vrai que ça date un peu, là, mais bon, comme on fait ça par nos propres moyens, ça prend un peu de temps, forcément. Oui, non, il y a 90% de fait, quoi. Non, même plus, 95%. Oui, 95% de fait, quelques ouais. effets, un peu de mixage. 95% de fait, il reste du mastering à faire, quoi. D'accord, et alors comment ça s'est passé pour cet album? Parce que j'ai vu que vous aviez avant fait 6 EP, il me semble, quelque chose dans ce style-là. C'est pas tant que ça quand même. J'ai compté sur, ça. Sur Jamendo, il y en a énormément. Ouais. Ah oui, il y en a énormément. Un album, on peut dire un album anarchiste à roadkill. Anarchiste à roadkill, oui. Anarchiste à roadkill. Alors oui, mais c'était aussi, en fait, c'est une démo comme les autres, quoi. C'était ouais. un EP comme les autres, ouais. Qui avait été agrémenté avec des reprises aussi, je crois. Donc du coup, il était un peu plus long sur certaines versions. Qu'on pouvait pas publier pour des histoires de droits, évidemment, pour des histoires de reprise. Mais donc, en fait, au bout du compte, ça a eu peut-être pas mal de paix. Ouais. Il y en a eu effectivement toute une cargaison là, qui est sortie, je ne sais plus quand, en 2006 ou un truc oui, comme ça. Oui, 2006, 2007. Tout à fait, qui étaient des démos pas achevées, en fait. Ouais. Tout à fait, ouais. D'accord, donc là, ça serait un vrai album, en fait qui... Là, c'est un 12 titres, ouais. Ok. Et 12 titres avec, on va dire, la moitié de tout nouveau. Et l'autre moitié, on a refait justement des anciens morceaux qui avaient été plus ou moins bien enregistrés et qu'on a remis dessus. Quoi. Et qu'on a enregistré pour l'occasion. D'accord, et ça va sortir quand? Vous avez une idée? Là, j'espère au printemps, quoi. Avant l'été. Vous avez un titre à cet album ou pas? Non, pas encore, c'est non, encore, c'est pas trop encore. On est encore. C'est comme les bébés, on dit pas le prénom avant. Oui, puis on n'a pas la pochette, on n'a rien du tout. Là. Pour l'instant, on n'a pas l'ordre des morceaux, on n'a rien. Ok, alors donc c'est très bien. Du coup, moi je voulais savoir quand même comment ça se passe pour l'écriture, la compo, comment vous faites tout ça. Il n'y a pas franchement de règles, quoi. C'est où, alors ça arrive des fois que quelqu'un amène un morceau complet. Ouais. Bon, la plupart du temps, c'est quand même moi qui me colle les textes. Oui, toujours, en fait. La plupart du temps, oui. mais sinon, après, en termes de morceaux en eux-mêmes, ou quelqu'un amène un morceau complet, ou alors une base, et puis après, on bricole dessus, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de règles, quoi. La plupart du temps, voilà, c'est des mélodies qui arrivent, après, on les met ensemble, tous en musique, et puis... Oui, c'est beaucoup ensemble, en fait, quoi. Donc finalement, ça se construit à plusieurs, à chaque fois, avec les systématiquement, de chacun. Ouais. C'est pour ça qu'on arrive à des choses, au départ, qui sont... peut-être dans les mélodies un peu punk, et ça tire toujours un petit peu vers le métal dès qu'il y a la batterie et les solos. Chacun amène sa patte au fur et à mesure de la composition, en fait. Quelqu'un amène le squelette et nous, on construit autour. Moi, je propose qu'on écoute un troisième titre, c'est « Girls ». It feels all right.
feels alright, but I keep my fingers crossed. Girls de Poison Fang. Il y a un univers Poison Fang quand même. Il y a quelque chose qui se dégage quand on cherche les infos sur vous. Déjà, il y a ce nom de groupe Poison Fang. Alors moi, j'ai cherché, ça veut dire croc venimeux, croc empoisonné. Ça, ouais. Ouais, ouais. Pourquoi ? Il y a une raison ou c'est, il n'y a pas de raison comme... Il n'y a pas franchement de raison. À l'époque, c'était le titre d'une série japonaise des années 70, Super Kitsch. D'accord. Fallait le trouver. Voilà, c'est ça. Excuse-moi. Et du coup, moi, ça me fait penser quand même, parce que Michel posait la question tout à l'heure, il y a ces textes, quand on essaye d'écouter vos mélodies, justement, et vos textes, qui sont quand même bien écrits, c'est un petit peu acerbe, un petit peu mordant, et il y a quelque chose comme ça, c'est ça, oui, du croc venimeux, qui vient nous mordre pendant qu'on écoute vos morceaux. Non, entre les deux trucs. Parce que j'ai l'impression comme ça que vous avez une galerie de personnages, des petites histoires. C'est ça, le principe du texte, oui, c'est ça. C'est que quand j'écris des textes, c'est des petites histoires. Ouais. C'est des espèces de trucs un peu. Alors c'est toujours un peu ironique, un peu. À la limite du cynisme, un peu par moment. Ouais, mais c'est ça, mordant. Hein. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est un peu noir. Ça dépend des moments. D'accord. Ça dépend des moments. Il y a des moments, ça a été noir, ouais. Je trouve que le truc qu'on avait sorti, la Nargis Sarotki, il était assez noir, ouais. Les autres, moins, je pense. Là, ça redevient un peu moins noir. D'accord. Mais c'est toujours un peu... Oui, non, mais c'est... Oui, c'est dans la vie, c'est compliqué. Oui, mais en même temps, c'est dans la vie qu'on trouve la meilleure inspiration. C'est ça. On était ravis de vous accueillir dans ce Focus, Poison Fang. Merci. On vous remercie. Merci à vous. Les Musiques Mag, une émission proposée par la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Filmer ça, non? Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Oh non! J'ai le cheveu raplat mal, c'est pas ça.